Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous faire une petite vidéo pour vous donner une petite astuce, pour vous montrer comment vous battre contre ce virus, contre le coronavirus. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. On ne va pas se battre contre le virus, on va renforcer son système immunitaire qui, lui, va faire tout le boulot. Que le virus dégénère, que le virus se transforme, que le virus se transmute, peu importe. Ça va renforcer votre système et votre système immunitaire, s'il est bien fort, il va faire tout le boulot. Donc on a besoin de miel. Vous savez, le miel, c'est bon. Bon pour la gorge quand on est malade, quand on a. Ça contient plein de bonnes choses, ça contient plein d'antibiotiques naturels. Donc un bon miel, hein, du coin, de ce que vous avez, choisissez bien un bon miel. Ensuite, on va prendre du gingembre. On sait la force que le gingembre a pour renforcer le système immunitaire. Ça augmente la circulation du sang, ça augmente la force de notre système. Du gingembre, et on a besoin du citron. Donc les trois éléments qu'on va utiliser pour cette recette, c'est ça. Du citron bio, parce qu'on va utiliser la peau. Donc il nous faut un bon citron. Pareil, tous les éléments qu'on va choisir aujourd'hui, ça va être top qualité. Donc on va mettre 250 g de miel. On va utiliser un blender. On va mettre tout dans le blender. Donc 250 g de miel. On va utiliser 100 g de racines de gingembre que l'on va peler. Alors pour peler le gingembre, le dos d'une cuillère, hein, le rasoir du couteau, mais on ne l'épluche pas, on va simplement le gratter. La peau va s'enlever très facilement. Donc 100 g de gingembre et 400 g de citron. 400 g, ça fait environ 3 citrons s'ils sont petits. Moi, j'en ai utilisé pour ma recette, parce que je l'ai fait là, je ne vais pas vous la refaire devant vous. Je l'ai fait hier hein, déjà. J'ai utilisé 2 citrons. Les citrons étaient gros, donc ça fait 400 grammes pile. On les coupe en morceaux. On met ça dedans, le gingembre pareil, on le pèle, on le met dedans, le miel, et on mixe. On mixe le tout. Ça va vous donner une purée qui ressemble à ça. C'est vraiment très bonne. Avec le miel, ça adoucit, c'est fort, hein. Le gingembre est une racine, une épice qui est très forte. Donc c'est assez fort. On va remplir les pots une fois qu'on a bien mélangé tout ça au mixeur. On va remplir des pots. On va les mettre 2-3 jours au frigo. Et ensuite, on va en mettre une partie au congélateur que l'on va ressortir quand on ne se sent pas bien, quand on est fatigué, quand on est un petit peu faible. On a toujours de quoi faire au frigo. Sinon, on va prendre une cuillère à café le matin, une cuillère à café le soir de ce mélange. De cette mixture. Ça va nous renforcer, ça va nous aider à passer cette période qui est un petit peu difficile, on va dire. Ils ont fermé les frontières en Allemagne. Je devais rentrer en France vendredi prochain. Bah, du coup, on va rester en Allemagne, hein, c'est pas grave. Donc ça va vous aider à renforcer votre système immunitaire et donc à combattre ce virus. Si vous êtes malade, ou si vous avez peur d'être malade, vous avez aussi deux autres les huiles essentielles que j'adore, deux autres petites astuces. On a l'arbre à thé, l'huile essentielle d'arbre à thé. Vous en mettez 2-3 gouttes dans la bouche directement. Si vous n'aimez pas le goût, vous le mélangez avec un petit peu de miel, sur une petite cuillère à café de miel, et puis vous mettez 2-3 gouttes. Vous prenez ça 2-3 fois par jour. Pendant 4-5 jours, hein, les périodes, elles ne sont pas très très longues. Hein. Pendant 4-5 jours, ça va vous aider aussi beaucoup. J'ai aussi le Ravintsara, qui, pareil, bio, hein, on prend des huiles essentielles bio, même, tant qu'on peut, hein, on va aller chercher à la pharmacie ou vous les commandez sur Internet, c'est assez facile à trouver. Ravintsara, et donc l'arbre à thé. Ça, c'est vraiment mes deux favorites. Vous pouvez les utiliser si vous avez un petit bobo, vous pouvez les utiliser si vous avez un bouton,
ça marche partout. Une infection, vous sentez, vous avez mal à la gorge, vous prenez ça. Vous avez aussi le propolis que j'ai pas là. Le propolis, c'est un produit, c'est les abeilles qui vont mâcher les résines des arbres et qui vont donner ce produit mélangé avec de l'alcool pour le dissoudre. Vous prenez ça pareil, c'est des petits flacons qui sont comme ça. C'est des purs produits bio, naturels, qui vont vous aider à renforcer votre système immunitaire. Si vous avez mal à la gorge, vous sentez froid, vous avez attrapé du mal, hein, comme on dit, une petite angine, vous prenez ce genre de choses-là, vous mettez bien au chaud. Vous ne mangez pas, si c'est possible. Vous jeûnez, parce que quand on jeûne, on laisse toute la force de notre système immunitaire travailler pour ceux qui l'attaquent. Donc si vous avez un virus, si vous avez un coup de froid, si vous avez quelque chose comme ça, le mieux c'est de boire, se mettre au chaud et de ne pas manger. Voilà. Ça, si vous avez par exemple une gastro, on parle souvent de la gastro après les fêtes, mais la gastro, si vous jeûnez, si vous ne mangez pas, si vous buvez de l'eau, ça se passe très rapidement, c'est une journée, 2 journées maximum. Hein? La diarrhée, le vomissement, tout ça, c'est vraiment si on continue à essayer de. On dit souvent qu'on mange pour prendre des forces. Donc ça, c'est un petit peu contre-productif, je dirais. Parce que dès qu'on mange, le système s'arrête de travailler pour la défense de l'organisme et il va être obligé de digérer ce que vous avez pris. Donc, on boit de l'eau, pas trop froide, si possible, température ambiante ou température du corps, un petit peu chaud, même du thé, hein, c'est bon dans l'autre sens, c'est bon. Ça va aider à digérer, mais pas dans le sens froid. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que vous allez passer cette crise avec meilleure santé possible. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.